Auréa, bonjour. Bonjour. Alors, tu habites ici, rue de la Banque, habité, si on peut dire habité, c'est voilà. un grand mot. Voilà, depuis le 14 décembre. Depuis le 14 décembre. Voilà. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait que tu es arrivé là? Bah, si on est arrivé là, comme plusieurs mamans, c'est à cause du problème de logement. Mmh. Alors, moi, depuis 8 ans que je fais ma demande de logement, je renouvelle chaque année et j'ai pas de suite, j'ai pas de nouvelles. Malgré que je travaille, j'ai un bulletin de salaire, j'habite dans une chambre, moi et trois enfants. J'ai trois enfants bas âge, je suis une maman seule et depuis 8 ans, je galère. On n'arrive pas, j'arrive pas à gérer parce que c'est trop petit par rapport à mes enfants, par ici, rapport à ici moi. Dans Paris, hein. À Paris, j'habite dans 11e, mmh. à Paris. Et je paye un loyer pour une chambre, je paye 680 par mois. Et j'arrive pas à avoir un logement. J'ai passé la loi de Dalo, ils m'ont fait passer la commission. J'ai l'avis favorable. Alors le 20 décembre, ils m'ont donné un logement dans le 13e. J'ai visité. C'est un espoir pour mes enfants. On était toutes contentes, toutes heureuses comme tout. Et au bout de 20 jours, ils m'envoient une lettre de refus. Voilà, et ils disent que le loyer est trop cher. Mmh. Alors, un loyer de 880, moi j'ai un salaire, j'ai les prestations, j'ai une pension, alors je suis à la hauteur de payer mon loyer de 880. Malgré 880, je peux le payer. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et là, depuis là, on est là, on lutte. Alors, depuis le mois de décembre, vous êtes là? Oui, depuis vous êtes nombreux? On est nombreux, on est plus de 200 familles. Hein. Ouais, bah. Voilà. Eh bien, écoute, on suit ce qui se passe. On espère que le ministère va finir par trouver des solutions. Oui, j'espère. Mais j'espère. Ça traîne. Ça traîne que des promesses et ça traîne, ça n'a pas changé. C'est vraiment, on est déçus. On est des familles. Je suis une maman responsable de mon travail, responsable de mes enfants. Ils n'ont pas le droit de faire souffrir ce qu'on subit dans les trottoirs. On dort dehors pour qu'ils nous voient. Parce que si on ne fait pas ça, il n'y a personne qui n'entend parler de mal logés, des sans logés. Alors il faut faire bouger. Et tant que ça pas, eux, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas bougé. Nous aussi, on va rester là jusqu'au bout, jusqu'au qu'on crève sur les trottoirs. Eh bien, écoute, on espère que ta voix va passer et puis que vous finirez par être entendu. Ben, j'espère. Et plus on sera nombreux à faire passer cette voix, plus les oreilles sourdes vont finir peut-être par se déboucher un jour. J'espère, parce que vraiment, moi, après la visite de logement, c'était un grand espoir pour moi, pour mes enfants. On voyait clair enfin, parce que 8 ans de souffrance, 8 ans de vivre dans une chambre, on dort dans une chambre, on ne sait pas, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est le repos, le week-end, on ne le sait pas. Parce que là, quand on travaille dur toute la semaine, les personnes âgées, ce n'est pas facile. Et les week-ends, pour se reposer, on ne peut pas. Il y a moi et les enfants, il y a la télé, il y a les cris, il y a pas de chambre qui puisse faire leurs devoirs. J'ai un garçon qui commence à grandir avec ses soeurs. C'est pas évident, ça. Ça, c'est pas évident. Voilà, eh bien, espérons qu'on va t'entendre. Allez, merci, bon courage. Merci beaucoup, merci. Jacques, bonjour. Bonjour. Alors nous arrivons de la rue de la Banque, toi qui y vas régulièrement là-bas, tous les dimanches, non? Tu peux nous dire un petit mot? Tous les dimanches à 15h, il y a un rassemblement et aujourd'hui c'est un petit peu plus festif parce que le ministère a accepté de reloger toutes les familles d'ici la fin de l'année. Alors, les familles sont d'accord pour accepter. Naturellement, les promesses, on sait que c'est rarement tenu. Mais enfin, on fait confiance à nouveau.
et on espère que les familles seront logées. Alors ça c'est aujourd'hui, dimanche, hier tu étais à Strasbourg. Oui. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait un rassemblement des Kurdes venant beaucoup d'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, puis de Strasbourg même. Et donc ils étaient à peu près 30 000. Et c'était pour les 10 ans où Öcalan a été arrêté. 10 ans d'emprisonnement, dans l'isolement total, dans l'île de près de la Turquie. Et donc le peuple kurde n'oublie pas Öcalan. Vraiment, c'est leur leader. Et après 10 ans, leur sentiment est intact vis-à-vis d'eux. Alors il y a autre chose dont on parle aussi ces jours-ci, c'est depuis hier je pense, ou ce matin en tout cas, de Colonna. Oui. Il y a du nouveau de ce côté-là. Ben, oui, il y a finalement deux indicateurs qui se sont révélés. Et donc le procès va peut-être être arrêté. Enfin, c'est une bonne nouvelle, je crois. C'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y aura une libération de Colonna. En tout cas, ça va modifier le procès qui était commencé. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il est innocent parce que ce dont on l'accuse ne correspond pas à ce qu'il est et ce que je connais de lui. Alors, si on recule un petit peu, il y a l'autre affaire, c'est les évêques intégristes qui font parler d'eux. Ben, cette affaire romaine, c'est un désastre. C'est un désastre. Moi, j'aurais aimé que le pape reconnaisse son erreur et dise ben, « je me suis trompé ». Tout pape que je suis, je me suis trompé. Un peu comme avait fait Obama, il s'est dit « ben oui, je me suis trompé ». Il ne s'appelle pas encore Obama. Mais enfin, maintenant, le mal est fait. Il ne faut pas dire « la page est tournée, l'affaire est close ». Non, il faut parler, il faut agir. Par rapport aux juifs, au dialogue judéo-chrétien, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et puis, je crois que surtout, pour moi, c'est que il y a un schisme silencieux de chrétiens qui quittent silencieusement l'Église. Et ça depuis longtemps, mais ça, c'est quelque chose qui continue. Et on ne peut pas essayer de dire on va ramener un peu des gens qui sont partis, il faut regarder ceux qui partent. Et je trouve que Rome ne fait pas attention à ça. Que de gens ont été sanctionnés, que de gens sont partis de l'Église d'eux-mêmes, et ça continue. C'est pas une note très optimiste sur laquelle on termine? Non, mais je crois que peut-être ça va ouvrir les yeux aussi au Vatican de dire on ne prend pas des mesures comme ça sans qu'il y ait un échange, un dialogue. Je pense que les évêques français, ils ont appris ça comme ça tout d'un coup. Et puis ensuite, de voir les conséquences de mesures qui sont prises. Et il faut toujours voir comment est reçue une mesure, comment est reçue une encyclique. Le peuple chrétien, c'est pas rien. L'opinion publique, c'est pas rien. Alors on peut espérer qu'à Rome, ils tiendront compte un petit peu de tout ça, ils en tireront les conséquences. Voilà, mais en tout cas, on essaye d'écrire et de crier, mais est-ce qu'on va être entendu? C'est une autre affaire. On verra bien. En tout cas, le terrain est toujours quand même vivant, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et on ne peut pas enlever ce qui se vit. Merci. Merci. Et à bientôt. Merci.